Avant de se quitter, on va se replonger dans l'ambiance survoltée de Forêt nationale où se produisait Johnny Hallyday. C'est son premier retour sur la scène belge depuis ses ennuis de santé. Un retour en grande forme devant un public qui lui tient particulièrement à cœur. Des impressions recueillies par Amélie Schildt et Eric Moncelet. De cuir descendu sur Forêt nationale pour faire danser les diables et les dieux, Johnny Hallyday est fidèle à lui-même. Bête de scène, la voix au top et plus accro que jamais à son public. Et les moments formidables que j'ai, moi, dans ma vie de tous les jours, c'est quand je monte sur scène et de pouvoir donner des choses au public, de voir que le public me le rend aussi. Il n'y a pas que moi qui leur donne des choses. Et que voilà, et je me sens bien sur une scène, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens chez moi. Oh, hey. Merci, merci, merci. Oubliez les pépins de santé de l'été dernier. Depuis le mois d'octobre, le rocker poursuit sa tournée à plein gaz. Et pour assurer à 69 ans, Johnny Hallyday soigne son hygiène de vie. Tous les jours, je m'entraîne une heure et demie dans une salle de sport, des poids et haltères, des échauffements, enfin, ce qu'il faut faire pour le souffle, etc. C'est vrai que c'est un entraînement physique pareil que si on tourne au cinéma, voilà. Allez, tout le monde. Super en forme, du tonnerre, une voix unique. Et il a encore la pêche, franchement, chapeau pour lui, quoi. Et qui continue, parce qu'on a encore envie de le voir. Pourquoi ne reviendrais-tu pas ? Johnny fait voyager son public entre rock et émotion. C'est sur les notes de sa dernière balade qu'il termine son show de 2 heures, autant de parenthèses, de moments en suspension. Je t'attends. On vit à une époque où tout n'est pas rose, hein, t'aurais... Et moi, de voir la misère, c'est les gens, de voir tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose... Je trouve ça inhumain, je trouve ça injuste. Et par contre, quand on est sur scène et le public, je pense que c'est la même chose quand ils sont dans la salle, quand on leur donne des choses et qu'on partage ces choses ensemble, je pense que pendant ce moment-là, en tout cas, on oublie un petit peu le reste. Merci. Sa 181e tournée a mené Johnny Hallyday un peu partout à l'étranger. Mais à Bruxelles, il se sent comme à la maison. Il part, mais il reviendra puisque la scène, c'est toute sa vie.